On me dit. Je suis là. Tu es où? Je suis en train de chier. Viens vite, mon petit, il y a l'argent. J'ai fini. Attends, Joël. Hier, là, j'ai cherché une pour toi et mes 10%. Petit, il ne faut pas chercher l'argent comme ça. L'argent, là, ce n'est pas bon pour ton âge. Hein? Faut... Envoie-moi un client. Envoie un client seulement. Tu veux frigolo, non? Hein, tu veux biscuit, non? Envoie-moi un client. Donnez-moi l'argent. Oh, petit, laisse affaire d'argent là. Nous-mêmes, on attend l'argent là. Va. Attends, comptez, voici, t'es rapide. 5, 4, 3. Envoie le client. Hein? Tout ça, c'est l'aléatoire. L'aléatoire, c'est un événement que tu ne peux pas maîtriser. Mais à partir où tu as t'apprêté à l'école, et puis tu n'arrives pas à maîtriser. L'aléatoire, là, même là, les éléphants, ils sont forts dedans même. Tous les jours, on va calculer. Et si on fait match nul, que eux là, ils ont gagné. Si ceux-là, ils ont perdu. Donc, le prochain match, là, on peut s'en sortir. Éléphant. Et tous les jours, c'est comme ça. Éléphant. On est là. Est-ce que Zaha va venir? Zaha va pas venir. Eux-mêmes, ils mélangent même les plans des féticheurs. Éléphant. Ce qui me plaît. Et puis, le match même, c'est-à-dire que c'est l'aléatoire quoi, avec eux. On te dit, on a besoin d'un nul pour passer. Côte d'Ivoire, Algérie. Le jour où nous tous, on a tout payé. Réservé chambre d'hôtel, réservé maquis, réservé boîte de nuit, partout. Et puis on est assis devant la télévision maintenant. La Côte d'Ivoire qui affronte aujourd'hui l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer? Le match a débuté. Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon dans les pieds de l'Algérie qui évolue. L'Algérie devant les poteaux des éléphants. But de l'Algérie. On a assis. C'est dit un nul. On passe. L'entraîneur qui fait un remplacement, Kader Keïta qui prend sa place sur le terrain. Kader, Kader Keïta. Nous tous on est sortis. Wow. Quand on revient, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas capables de conserver. Tout ça, c'est aléatoire. C'est-à-dire, l'aléatoire même là, c'est quand tu t'apprêtes. C'est-à-dire que tu as fini de bosser jusqu'où tu bosses. Et puis toi-même, tu finis de bosser. Et puis la partie là, c'est bon, je suis fatigué. Tu fermes. Le lendemain, tu arrives en classe. On dit devoir. Et puis... Où tu n'as pas bossé là. C'est tout ça là qui sort. Et puis tu es assis là. C'est-à-dire que tu penses que c'est toi seul. Tu demandes à ton voisin, Joe, c'est comment? Il n'a pas bossé là-bas. Joe, c'est comment? Il n'a pas bossé là-bas. Hein. Et pendant qu'on est en train de composer, nous tous on sait que le devoir est dur. Il y a toujours un qui va lever sa main. Monsieur, il y a quoi? Monsieur, intercalaire. Voilà, c'est les gens qui sont loin, là, aller loin à l'école, comme le premier ministre, c'est lui là. On fait devoir. Vous qui, lorsqu'on faisait devoir avant, et puis vous avez caché vos feuilles. Aujourd'hui, on a grandi. Ça vous a donné quoi? Ça, tu as fouillé. Tu étais à l'école avec le premier ministre Mambé. Il t'a demandé A moins B le tout au carré, c'est égal à quoi? Tu dis, je ne connais pas. Est-ce que tu as bossé? Tu n'as pas bossé. Et puis aujourd'hui, il est premier ministre. Tu vois que c'est aléatoire. C'est lui qui peut décanter ta situation. Mais, l'aléatoire, c'est les événements qu'on ne peut pas maîtriser. Un jour, je me rappelle, sur mon banc. Ah oui, j'étais à l'internat. Donc, on a fait en tout cas des cours. On a mis tout... les réponses d'histoire et géo là sur le banc. Moi, en tout cas, j'ai bien écrit sur mon banc propre. Le lendemain, le professeur et moi aussi, j'ai rien eu, c'est 17. Mais c'est aléatoire. Le professeur rentre en classe
Les amis, nous allons commencer le devoir. Donc chacun sort sa feuille. Il dit, mais avant. Monsieur là-bas. Oui, vous. Allez, prenez vos affaires. Venez vous mettre ici. Vous là-bas. Allez vous mettre au fond là-bas. Vous aussi. Venez vous mettre là. Il dit, Joël. Il dit, oui, monsieur. Veuillez vous déplacer dans le fond de la classe. Il dit, monsieur, avec mon banc. Il dit, non, allez-y sans votre main. Tout ça, c'est l'aléatoire. C'est aléatoire, c'est aléatoire. Je vais plus loin dans la conception d'aléatoire. 1 multiplié par 365. C'est aléatoire, c'est aléatoire. 1 multiplié par 365. Multiplié par 1 milliard. C'est aléatoire. Quelle est la probabilité pour que je puisse m'en sortir avec quelque chose? Tout en sachant que un jeune peut être âgé de 18 à 40 ans. Je suis dans la tranche d'âge pour gagner quelque chose si je fais une combinaison. Ça veut dire on fait un tirage sans remise, ça peut aller. Mais si on part du principe que la jeunesse ne dépend pas de la définition scientifique, mais sous nos yeux, elle peut dépendre aussi de la définition politique. Donc du coup, 40 ans, ça peut lui qu'à 60 ans, la jeunesse. Combien vais-je donc avoir? C'est aléatoire. C'est aléatoire. Il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on s'en sorte. Combien vais-je donc avoir? Pendant qu'il reste encore, il reste encore, combien de jours? Excellence, je voudrais savoir où puis-je donc me diriger pour que je puisse recevoir un peu. C'est aléatoire. C'est aléatoire aussi. Vous voyez, quand vous passez le bac et que vous avez le bac, très souvent les jeunes disent, j'ai eu mon bac, c'est fini, je ne vais plus porter kaki, c'est fini, kaki est fini dans ma vie. Et après vos études, vous embrassez une carrière à l'ENA, vous partez et vous sortez sous-préfet. La pierre rejetée est devenue la pierre principal, vous allez porter kaki matin, midi, soir. C'est aléatoire. J'ai eu. Oui, Bati. J'ai eu un cliné pour toi. Tu as eu cliné? Viens vite, je suis prêt. J'ai eu un cliné. Je suis prêt, Oh, dis là. Hey. Donne-moi l'argent d'abord. Cliné. Il est où? Il n'est pas où? Cliné. Le voilà. Hey. Viens ici. Mais on finit sur ma crème, je bonbon. Si, si. Mais ton sa foi. Va là-bas. Pachilo, on finit avec un bacan. Va. Toi là. Cliné. Qui? Toi. Cliné. Lui. Toi. Tu me dois. Oui. Tu me dois. Je sais. Tu me payes quand? Un jour.